En classe, tu as l'habitude de jouer au jeu de la marmite. On a été jusqu'à 7, je te propose maintenant d'aller jusqu'à 8. Tu sais déjà décomposer le 8, tu l'as vu sur l'igloo. Lorsqu'il fallait choisir les phoques, 5 phoques d'un côté, 3 phoques de l'autre, ou 4 phoques d'un côté, 4 phoques de l'autre. Et puis, on s'est amusé à décomposer le 8 avec les branches de l'arbre à cerises. Le jeu de la marmite chez toi, tu prends ce que tu as sous la main. Moi, j'ai pris des raisins secs. Je les pose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On cache les yeux. On ouvre les yeux. Combien y a-t-il de raisins secs sous mon couvercle? Tu réfléchis. On vérifie. Il y en a 3. 5 et 3, ça fait toujours 8. Voilà, tu peux continuer le jeu en famille. Quand tu as fini de jouer au jeu de la marmite, que tu as bien réussi, tu peux passer au travail sur les coccinelles. Tu dois compléter la coccinelle pour qu'il y ait 8 points sur l'ensemble de son corps. À toi de réfléchir, à toi de jouer.